Bonjour. À Tortel. Bonjour. Bienvenue au Mexique. Merci beaucoup. Et à la UNAM, à l'Université de Mexico. Et bon, on est très émus que tu sois parmi nous, ici pour le festival FICUNAM, et aussi pour partager un peu de ton travail et aussi de ta collaboration de longue date avec Chantal Ackerman, dont le festival fait la rétrospective cette année. Donc, je voulais d'abord te remercier d'être là et aussi... tu es surtout connu pour ton travail avec Chantal, mais aussi je pense que par tes méthodes et justement ce que tu m'as raconté sur peut-être ton apportation au cinéma qui n'est pas sur des films de grand public ou des films qui sont très, très connus, mais un travail très fin que j'aimerais beaucoup que... Si tu peux élaborer un peu ton background qui est plutôt de la philosophie, la langue chinoise, si tu peux parler un peu de ça et aussi comment tu es arrivé à ta cinéphilie, d'où ça vient. Déjà, moi, je veux commencer par dire que moi aussi, je suis très émue d'être ici, que c'est la première fois que je viens au Mexique. Enfin, j'ai été une fois toute petite, mais j'ai aucun souvenir, enfin, des souvenirs légendaires qu'on m'a racontés. D'ailleurs, c'est bien, ça ouvre sur qu'est-ce que c'est un souvenir et comment on le fabrique et comment on le raconte. Mais bon, moi, j'ai été au Mexique une fois quand j'étais toute petite avec mes parents qui avaient des amis ici. Et il paraît qu'on a été accueillis par des joueurs de steel drum. Voilà, ça, c'est un petit peu l'histoire dans ma famille. Mais moi, je ne connais pas le Mexique. Par contre, j'ai un lien fort au Mexique par Chantal, parce que la sœur de Chantal vit ici et que le Mexique venait souvent... On en parlait souvent, on en entendait parler souvent, il était là, quoi. Moi, je ne suis jamais venue, donc je suis très émue, et je suis très émue que cette rétrospective soit organisée. C'est toujours compliqué de raconter les choses et de raconter sa trajectoire, parce qu'il y a quelque chose où on a toujours l'impression de mentir un peu et de fabriquer une jolie histoire. Donc, je ne sais pas par où commencer. Ce que je peux peut-être dire, c'est que je me suis un petit peu, tout à l'heure en arrivant, étonnée qu'on ne m'ait pas prévenu que c'était une interview filmée. Et en même temps, on pourrait dire que ça fait partie un petit peu de ma façon de faire et d'appréhender les choses et de les recevoir, puisque en général, j'aime rien préparer. Mais là, c'est un peu l'extrême, quoi. Je ne savais même pas. Mais en fait, oui, j'ai pas tout ça pour dire que j'ai pas prévu, j'ai pas fait de plan de carrière, j'ai pas prévu comment ma vie se passerait, j'ai pas prévu qu'est-ce que je ferais de ma vie au niveau professionnel. Je pense que j'ai laissé beaucoup de portes ouvertes et que je suis allée découvrir des choses qui m'attiraient sans savoir à quoi ça allait me servir. J'aime dire ça, et particulièrement aux jeunes, parce qu'aujourd'hui, on demande tellement de savoir, on leur demande tellement aux jeunes, et pas seulement aux jeunes, hein, tous les gens qui veulent faire des films, qui ont des projets, de savoir où ils veulent arriver, qu'est-ce qu'ils veulent dire, comment ils vont le faire et comment ils voient à la fois leur œuvre et leur vie, que cette possibilité d'improvisation et de découverte en faisant devient rare. Donc moi, j'essaye de soutenir ça aujourd'hui. Pour soutenir ça, c'est vrai qu'il m'arrive de revenir sur mon propre parcours. Mais ce qui est vraiment important pour moi, c'est de... Et c'est pour ça que je vais aussi enseigner. Depuis quelques années, je vais à la Haie de Genève pour vraiment... partager ça avec les jeunes, et avec les jeunes monteurs particulièrement, parce que on parle beaucoup de la responsabilité du réalisateur dans la création d'un film, ce qui est normal, enfin ce qui est vrai évidemment, mais nous on a une responsabilité aussi comme au montage. J'allais presque dire plus grande, je sais pas si elle est plus grande, mais en tout cas c'est une grosse responsabilité parce qu'elle est tournée vers l'autre.
D'ailleurs, récemment, j'ai fait un séminaire à la Aide avec parce qu'ils ouvrent une section de montage. Et donc, j'ai pendant 15 jours parlé avec les jeunes monteurs de montage. Ce qui est assez rare, en fait, de parler juste de montage, de voir des films, de discuter, de savoir qu'est-ce qu'on cherche, est-ce qu'on sait pourquoi on est attiré par cette pratique-là. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, au fil des jours et des conversations, je ne disais plus le réalisateur, le cinéaste, je disais l'autre. Et en fait, le montage, c'est aussi apprendre le rapport à l'autre. Donc je reviens, pourquoi c'est si important? Pourquoi on a une telle responsabilité, nous, les monteurs, les monteuses? Parce que je pense qu'on est... On permet ou pas au film de s'épanouir. Évidemment, il y a des réalisateurs qui sont assez forts pour s'en sortir, quoi qu'il arrive, évidemment. Mmh. Mais il y a aussi, et peut-être de plus en plus, des jeunes réalisateurs qui ont des envies très fortes et qui ont une pression de ce qu'on attend d'eux, d'éventuellement un besoin de succès ou une nécessité de reconnaissance, ou une nécessité de financement, ou la peur de ne pas faire le deuxième film. Enfin, plein de choses qui font qu'il y a un moment où il peut y avoir une crainte, de pas, une peur. Et du coup, il peut arriver que... ça m'est arrivé de voir des gens qui ne vont pas jusqu'au bout. Et en fait, quel est l'intérêt de faire un film si on ne va pas jusqu'au bout? Parce qu'il y en a beaucoup, des films. Je dirais même quelque chose qui a peut-être choqué certains, il y en a trop. Y a trop de gens qui veulent faire des films. Quand je dis ça, je veux pas dire... Enfin, je veux dire, quand je dis qu'il y en a trop, je sais pas si c'est vrai. En tout cas, on n'a pas tous à faire des films. Peut-être qu'il y a trop de production, un excès de production. Je sais pas si il y en a trop de gens qui veulent faire des films. Ce que à moi me choque parfois, c'est cette nécessité de courir et produire. Sans laisser le temps de former des choses et comme tu dis, découvrir sa propre démarche et ses propres idées en se perdant peut-être. Absolument, mais ça c'est vrai que pour les réalisateurs, on leur demande d'en faire beaucoup parce que sinon ils n'existent plus, on ne les voit plus, etc. Et ça c'est affreux. Mais ce que je veux dire quand je dis qu'il y a trop de films ou de gens, c'est que c'est comme s'il y avait... une emphase mise sur la réalisation et sur... comme si le réalisateur était un tout-puissant qui savait où est-ce qu'il allait et il utilisait des techniques et des gens. Or, on est tous créateurs d'un film et on supporte tous un film, toute l'équipe. C'est ça que je veux dire. Et que notre responsabilité, elle est à aider le film à éclore de la manière la plus juste possible et juste étant... en rapport avec la personne qui le fait. Mmh. Et comment dire, il n'y a pas une réalisation de soi en faisant un film, il n'y a pas une expression de soi, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Donc je pense que il y a peut-être une confusion aujourd'hui. Quand quelqu'un a un désir de film, c'est comme s'il devait savoir qu'il voulait transmettre un message. Or, je crois que le désir de film est beaucoup plus organique et beaucoup plus profond que ça. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a certains désirs de film qui peuvent se perdre et du coup devenir des nécessités de message ou des nécessités, ou obéir à une obligation d'efficacité qui fait que du coup je sens parfois qu'il y a des films qui sont pas essentiels. Mmh. Moi j'ai besoin pour qu'un film me traverse qu'il soit que je sente qu'il a été essentiel pour la personne qui l'a fait. C'est ça que je veux dire. Oui. Et si tu peux nous parler un peu de ce concept du vide et de l'absence que j'ai pu lire dans quelques textes que tu as écrits, parce que je pense que ça parle beaucoup à oui. ça, le fait d'être face à un rien qui permet justement au créateur, que ce soit le menteur, menteuse, cinéaste, réalisatrice, réalisateur, d'être face à ce vide qui permet de trouver l'essentiel peut-être, de travailler vers cet essentiel et pas
dans l'excès. Oui, alors là, moi, oui, bien sûr, c'est-à-dire que bah, le vide, il a plein de... J'avais jamais pensé comme ça, en fait. C'est ça qui est drôle, mais il a plein de, d'échos, plein de... il se relie à plein de choses, en fait. Et bon, en fait, moi, j'ai été passionnée par la philosophie taoïste quand j'étais jeune. Et quand j'expliquais tout à l'heure que je savais pas comment... Enfin, que j'ai pas fait les choses in purpose, en sachant où je voulais aller. Ça concerne aussi, par exemple, cette passion pour la philosophie chinoise et la langue chinoise, qui, je ne savais pas du tout qu'elle allait avoir un tel lien avec ma pratique du montage. Mais une des notions principales du taoïsme, il y en a beaucoup, hein, mais c'est effectivement le vide, et le vide au sens d'un espace où les liens se forment entre les choses. Donc travailler en acceptant le vide et au montage, en laissant de la place au vide, c'est une façon de façonner un film sans qu'il devienne un objet didactique, mais au contraire comme s'il devient un espace de réflexion pour le spectateur. C'est-à-dire un film qui bouge, c'est pas un film qui est pris dans une signification précise, mais un film qui brasse des tas de questions et qui du coup nous force, nous pousse, nous aide à nous interroger sur nous-mêmes, notre rapport au monde et sur peut-être l'histoire ou enfin sur qu'est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui et aussi évidemment les ricochets de l'histoire. Après, c'est vrai que par rapport à ta question, c'est mon attitude à moi en montage, elle est effectivement, je préserve dans le rapport avec le réalisateur un certain mystère, c'est-à-dire de pas dévoiler, de pas, j'aime qu'on ne dévoile pas tout, que tout soit pas dit, que les mots gardent, enfin qu'on fasse attention aux mots qu'on utilise parce que certains mots bloquent la pensée, certains mots figent le sens, certains mots enferment quelque chose, alors que certains d'autres mots peuvent aider les sens à jaillir. Voilà, le travailler avec le vide, c'est donner un espace au mouvement. Okay. Oui, ce mouvement, j'imagine que c'est très lié aussi aux questions de rythme. De rythme, peut-être, je ne sais pas si pour toi c'est lié à la respiration. Pendant que je monte. Au battement de cœur ou à la musique que tu as écoutée ou tu connais ou que tu écoutes comment ça s'établit pour toi les idées de rythme on parle souvent de coupe maintenant. Comment, how do we cut a film? Mais je pense que bon, ça vient de l'histoire du cinéma, quand on coupait, on collait, mais comment maintenant avec les techniques non linéaires, comment on gère comment toi tu aborde le matériel ou le rythme du matériel. Alors déjà c'est drôle parce que en français, mais en anglais aussi d'ailleurs, il y a deux mots pour en anglais d'ailleurs, pas en français, il y a deux mots pour dire monter, il y a cut ou edit. Mm-hmm. Et moi je préfère edit. Edit. Ouais, parce que j'ai l'impression, enfin pour moi le montage c'est pas couper, c'est mettre, c'est poser des images, poser des sons les uns à côté des autres et écouter leur résonance et être attentif à ce que ça construit, que ça crée. Donc c'est pas couper les images comme si c'était du matériel pour qu'elles soient au service d'une signification ou d'un message, comme j'ai déjà dit, mais c'est au contraire fabriquer un espace pour que les images puissent vivre et
et nous parler. Et que le fait de les confronter les unes aux autres fabrique du sens. Parce que je voudrais bien... je parle beaucoup de ma méfiance vis-à-vis de la signification figée, etc. Mais je voudrais pas créer une confusion, qu'on pense que je différencie des films à sens de films contemplatifs. C'est comme si c'était un désir de classement un peu absurde. Et c'est très fréquent. Parce que la signification, plusieurs couches de signification viennent par le fait même de la contemplation et de la mise en présence. Quand on regarde une œuvre d'art ou une peinture ou quoi, des fois le corps est pris par quelque chose et du fait de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps, on construit des significations, on crée des images à l'intérieur de nous, on crée des liens. Bon, et une peinture, c'est un objet, enfin j'aime pas beaucoup ce mot objet, mais c'est une œuvre immobile. Mm-hmm. et instantanée dans le sens où elle n'a pas de durée, enfin elle a une durée en nous, mais elle n'a pas une durée, et elle n'a pas de son. Mais alors le cinéma, en fait, c'est une peinture, mais enrichie du temps et du son et du mouvement. Enfin, du mouvement dans, voilà, c'est moving image. Mais le rapport à l'art est le même. On m'a demandé un jour si je montais que des films artistiques ou aussi des films normaux. Ça m'a un petit peu surprise parce que, voilà, pour moi, les films, c'est de l'art. On oublie, on pense, voilà. J'aime pas trop toujours critiquer ce qu'on pense, parce que c'est comme si j'étais toujours contre la pensée, comment on appelle ça, la pensée commune, la pensée... Oui, le grand public. La pensée, comme si je m'érigeais contre une pensée unique, mais c'est un peu parfois le cas, parce que quand je vois les étudiants, mais c'est dur parfois de voir tout ce qu'ils ont sur les épaules et ce contre quoi ils ont besoin d'aide pour se battre, parce qu'il y en a qui ont vraiment envie. Je suis un petit peu perdue. On était partis de... De vide et de mouvement et de... Oui, du rythme. Et le rythme, pour moi, au montage, c'est la création du rythme, c'est le travail du rythme qui provoque la signification. C'est-à-dire que c'est pas... on travaille à une structure du film qui va vers telle ou telle signification, et ensuite on travaille le rythme, c'est-à-dire la durée des plans. Le rythme, c'est tout. Le rythme, c'est une organisation de résonance qui fait que le film part des émotions sensorielles qui provoque dans le spectateur, crée des différentes couches de signification selon d'où on vient, comment on regarde, comment on reçoit, etc. C'est des significations qui peuvent être différentes pour des spectateurs différents, dans des pays différents. Enfin, et en même temps, le film, c'est là qu'on parle d'œuvre classique. D'ailleurs, la vraie définition d'une œuvre classique, c'est une œuvre qui se transforme au fil du temps. Et oui, je voudrais revenir sur ta question à propos de comment se passent les raccords. En fait, je parlerai plus de raccords que de coupes. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est en lien avec... je ne sais pas si c'est vraiment le battement de mon cœur. J'ai l'impression que moi, que les images ont elles-mêmes un battement. Alors, une fois, j'ai parlé de la différence entre un film, des images dont on sent le cœur battre, et de d'étagères, par exemple, où je disais le cœur des étagères ne bat pas. Et y a des gens qui sont venus me voir après, qui m'ont dit que ce n'était pas vrai. Qu'en fait, les étagères ont aussi un cœur qui bat. Oui. Et j'ai dit ça aussi par rapport à un autre, je crois que c'était par rapport à des architectes. Et parce que du coup, j'ai changé entre l'étagère, je suis passée à l'architecture, et la femme est venue me voir après et m'a dit, moi, je suis architecte, mais les monuments, ils ont aussi un cœur qui bat. Donc en fait, on travaille tous avec des battements de cœur. Oui. Les matières sont vivantes, en fait. Matières organiques. Oui. Et pour moi, les images sont des matières organiques. C'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le terme matériel. Oui, c'est ça. Et en anglais, c'est compliqué. J'aime bien qu'on parle de matière organique, en effet. Et donc, bon, en tout cas, il y a quelque chose de physique, effectivement, qui se passe dans le corps, qui est très difficile à expliquer, et qui fait qu'un raccord est juste ou pas.
Et alors on ne peut pas forcément le savoir tout de suite. Parfois, il faut savoir lâcher pour y revenir. Mais ça ne veut pas dire monter un ours de très très long pour après choisir. C'est juste que parfois, il faut se dire, bon, je laisse comme ça, parce que j'ai un peu l'impression que c'est peut-être mieux que comme si. Mais on verra plus tard, dans une heure, demain. Parce que si on s'acharne, on est dans la fébrilité de trouver et de trouver une solution. Et la solution, en fait, c'est pas ce qu'on cherche. On cherche quelque chose de beaucoup plus profond qu'une solution. Oui. Quand on cherche un raccord, on cherche quelque chose de juste, quelque chose qui résonne, quelque chose qui parle. Donc voilà, il faut de la patience. Et en même temps, bon, prendre beaucoup de temps. Et en prenant beaucoup le temps, en fait, on va assez vite. C'est-à-dire que moi, je fais pas, j'ai pas des temps de montage démesurés. J'aime beaucoup respecter les temps de montage qu'on me donne. J'aime pas du tout dépasser, demander du temps en plus, travailler la nuit. Mais du coup, j'organise dans le temps. C'est aussi un rythme. Le rythme du travail lui-même, il est en rapport avec le rythme qu'a le film quand il est terminé. Quoi. Je veux dire que la façon d'appréhender les images et les sons, le temps qu'on se donne pour les écouter, pour les accueillir, pour les façonner, a un rapport avec l'organicité du film quand il est prêt à être montré et partagé. Donc, ah oui, le processus et le montage reflètent comme un miroir. Ouais. Bon, ça me fait penser à plusieurs choses, mais par rapport à ta trajectoire, disons, de comment... il y a deux choses, on va avoir deux timelines maintenant. Ta trajectoire, comment tu as commencé à travailler, parce que je pense que tes premiers films étaient avec Chantal, si je ne me trompe pas. Oui, les premiers films importants. Importants, et puis comment ça, aujourd'hui, avec le... toutes ces années de travail que tu as, peut-être ces méthodes ou ces respirations ou ce côté organique est peut-être plus évident pour toi maintenant qu'avant, ou comment ça a été au fil des années d'apprendre cette respiration? Je pense que la différence, c'est que il est arrivé un moment où en fait on m'a demandé de mettre des mots sur ma pratique. Quelque chose, ce que je n'avais jamais fait. Pendant pas mal de temps, je faisais du montage, mais j'avais pas du tout la conscience de tout ce que ça, de tout ce à quoi ça répondait et tout ce à quoi ça faisait écho dans mon parcours personnel. C'est-à-dire, j'avais même pas fait de lien entre la philosophie taoïste, mon attirance pour la langue chinoise, qui est quand même une association d'images qui crée du sens. Mm-hmm. Qu'une association d'images qui crée du sens, si c'est pas lié au montage, il y a plein de choses. Il y a aussi la peinture chinoise, le fait que dans la civilisation chinoise, la peinture et la poésie sont des arts de vivre. L'art, c'est un art de vivre, c'est pas seulement un art... donc l'art est important, c'est pas dissocié de la vie. Enfin, il y a plein de choses, mais sur lesquelles j'avais pas mis des mots. Je pense que tant mieux, parce que les mots peuvent aussi enfermer, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que on peut après dans nos actions essayer de se conformer à ce qu'on a dit, ce qu'on a écrit. Donc on fait en fonction d'eux. C'est là aussi que l'écriture est essentielle à la fabrication de films, mais qu'elle peut aussi être dangereuse dans certains cas. Une identité préétablie. Voilà. Ouais. Donc moi je crois que j'ai eu cette chance de travailler dans une espèce d'inconscience totale. C'est peut-être un des points communs que j'ai avec Chantal, même si c'est difficilement comparable. Mais Chantal, les premières œuvres de Chantal ont été faites dans une totale inconscience, en fait. De ce que ça allait provoquer, de ce que ça allait remuer chez les gens et de ce que... D'ailleurs, elle disait qu'une fois qu'elle a été reconnue par
par la réception de Jeanne Dielman, tout a été beaucoup plus compliqué et qu'avant elle était libre. Libre, voilà, parce que personne ne l'attendait, personne n'avait théorisé sur rien. Et voilà, bon, ça me vient là juste que c'est vrai que c'est peut-être un petit peu. Enfin, moi j'ai monté, j'ai rencontré Chantal très très jeune. Sans du tout d'ailleurs qu'il s'agisse de montage, puisque j'étais technicienne, puisque dans ma formation, je n'ai pas voulu aller dans une école de cinéma pour qu'on m'apprenne justement comment on fait un film, comment on pense un film, etc. Mais par contre, j'avais besoin d'une espèce de base technique. J'ai toujours aimé, moi, la technique, l'organisation, les classifications. J'aime les maths. Enfin, ça paraît un peu fou parce que je suis, on pense que je suis très dans l'intuition uniquement. Mais encore une fois, c'est pas, il n'y a pas organicité et efficacité. Tout est lié. Et en fait, oui. Les maths, c'est un endroit où on invente beaucoup. Enfin, moi, bien je suis sûr, pas mathématicienne, hein, mais. C'est le côté abstrait et organisé qui est intéressant. Voilà, exactement. Et le montage, en fait, c'est un endroit où il y a ces deux choses. Il y a une espèce, parce qu'il y a une grande, grande, grande organisation. Moi, j'ai besoin que les rushs soient classés d'une façon limite de la maniaquerie. Je suis capable de prendre. Ah non, mais je suis capable de prendre une matinée entière. Peut-être pas une matinée, parce que les matins, j'ai une sensibilité beaucoup plus. Plus créative. Ouais. Donc, beaucoup plus à fleur de peau. Donc, je préfère rester des après-midi où je suis un petit peu fatiguée ou quoi, à renommer des plans pour qu'ils soient bien et de bien les classer, que toutes les fenêtres s'ouvrent au même endroit, etc. Donc il y a une espèce de besoin d'organisation. Mais à partir du moment où il y a cette organisation qui a été créée, il y a quelque chose qui est libre de sortir, qui peut sortir parce qu'il y a quelque chose de paisible aussi. Quelque chose de paisible, donc les choses peuvent surgir. Et je suis apte à les recevoir. Mais ça ne doit pas forcément. Il ne faut pas que ça soit organisé chez les réalisateurs, par contre. Ça peut être très chaotique ou incertain, etc. Mais moi, je crée quelque chose comme une espèce d'endroit, et ça c'est très taoïste aussi, de créer une atmosphère où les choses peuvent advenir, et pas d'aller les chercher en les tirant. C'était justement ta trajectoire et aussi l'autre timeline qui est peut-être. Et j'imagine pour chaque projet c'est différent avec chaque collaboration, mais. Ou par exemple, en pensant au film de Chantal que tu as monté, les documentaires qui sont très différents que les fictions, alors que moi je trouve certaines choses, les tableaux vivants, les portraits des gens, l'observation, toutes ces choses récurrentes, mais comment tu organises justement le travail, tu reçois les rushs et tu dois tout voir ou absolument. De faire quoi que ce soit. Et est-ce qu'il y avait avec Chantal une longue discussion au préalable ou un scénario parfois ou c'était par projet chaque fois était différente et chaque nouveau film était une aventure. Je peux même dire que chaque nouveau film est une aventure pour moi parce que j'ai toujours. Je suis toujours épuisée au début. Il y a toujours un moment où je dis, d'ailleurs mes amis commencent à savoir quand je dis je suis épuisée, je sais pas, ça va être très compliqué, je sais pas, etc. Ils disent bon, ok, on sait, bon, d'accord, maintenant j'ose plus trop le dire parce qu'il y a toujours ce truc de plonger dans l'inconnu et ça demande beaucoup de force, ça vide et ça inquiète aussi un petit peu, mais c'est parfois dans une certaine inquiétude que les choses peuvent advenir parce que c'est une inquiétude liée à. Comme quand on prend un chemin et on ne sait pas exactement où il va. Il y a une inquiétude, mais il y a une jouissance. Et le chemin, il va quand même quelque part. Oui. Donc, il n'y a pas vraiment d'inquiétude. On sait qu'on va arriver quelque part. Ça, j'en suis toujours persuadée. Mais je ne sais pas quel chemin ça va prendre. Si. Et on est fait comme ça, les humains, je crois. Mais il faut aussi lutter contre. Et on n'est pas fait que comme ça. Mais il y a quand même toujours un besoin d'être rassuré, de savoir où est-ce qu'on va arriver. Qu'il y a une destination. Voilà. Et que la destination soit un peu claire, peut-être, c'est ça qui. Ouais, alors je pense qu'il pèse, faut. Non. Ouais, alors je pense qu'il faut être confiant qu'il y en a une. Après, je pense qu'il faut accepter de pas savoir laquelle c'est, même si je m'en défends et qu'au cours du montage j'essaye de la trouver, parfois, sans y croire toujours, mais
Voilà, mais ça c'est aussi un rapport au mot qu'il faut construire avec le réalisateur ou la réalisatrice, c'est-à-dire de ne pas être forcément dans une adéquation entre les mots et la vérité. Je ne veux pas dire mentir, mais je sais qu'avec Chantal, ça nous arrivait souvent de dire des choses en n'y croyant pas. Ok. Enfin, c'est pas qu'on... Pour se rassurer. Enfin, je sais pas, No Movie, par exemple, Chantal n'arrêtait pas de dire on va faire un grand film de 6 heures. Ah. Et moi, je lui disais oui. Mais je sais très bien qu'on n'y croyait pas. Oui. C'est peut-être un exemple extrême parce que c'est un film où au début du montage, je pense qu'on passait des moments avec sa mère plus qu'on était en train de concevoir un film, puisque le film n'était pas du tout prémédité. Donc on retenait un peu la mère de Chantal avec nous. Mais quand même, il y a des choses comme ça. Il y a même des plans à certains moments que Un divan à New York, il y a un plan qui est magnifique. Je me souviens même encore que c'est le 141 dans le numéro des séquences et que un jour Chantal a dit qu'il fallait enlever alors que c'est un plan. Elle a fait ça aussi dans La Folie Almayer à un moment donné. Elle a voulu enlever le monologue. Et c'est des plans qui sont essentiels, mais se dire qu'on va les enlever. En y croyant, mais en n'y croyant pas, ça rend les choses possibles. C'est pas ça. Du mensonge, du tout, mais c'est une façon d'accepter de sauter partout. Il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien d'incontournable. Et voilà, il n'y a rien d'obligatoire, il n'y a rien d'incontournable, il n'y a rien qu'on ne peut pas enlever, en fait. Oui, oui, oui. Et avec les fictions, enfin, il y avait toujours un scénario fictions. C'est une autre manière de travailler. Chantal a toujours... Oui, pour les fictions, Chantal a toujours... en tout cas, les films que moi, j'ai montés. Mais tous les films. Elle a toujours écrit des scénarios. De suivre le scénario et après... Moi, j'ai une chose... comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vraiment besoin de préserver un mystère qui est comme une espèce d'environnement un peu... J'allais dire brumeux, c'est pas vraiment brumeux, mais qu'il y a quelque chose de pas évident dans ce qu'on va faire. C'est-à-dire quelque chose de mystérieux, en fait. Un mystère planer, que ça soit dans Dest, pour Dest, où on savait pas du tout... qu'est-ce que ce film allait chercher finalement à la fin. On l'a su bien plus tard, enfin. Donc d'avoir cette espèce de mystère qui plane, j'en ai toujours eu besoin. Et en fait, j'ai réussi sans faire exprès à lire les scénarios sans les comprendre complètement. Je ne sais pas si... Je suis pas en train de dire que je suis bête ou que je ne sais pas lire, mais je veux dire sans retenir toutes les ficelles, etc., mais en étant même plus sur des noms, enfin quelque chose, un espèce de... quelque chose où il y a quand même toujours un peu de brouillard et pas les relire trop. Et du coup, ça permettait aussi d'être en relation directe avec les images et de pas... justement rechercher trop ce que j'ai lu. Après, c'est important de lire, mais de lire le scénario plus comme une musique pour le coup, parce que bon, le style de Chantal a toujours eu un rapport très très fort à la musique depuis ses premiers films, et son style d'écriture est très très musical. Par exemple, dans son film aussi, là, j'ai un blanc, News from Home, la voix avec laquelle elle lit les lettres et le son, tout ça, c'est très, très, très musical. Il y a quelque chose d'organique dans le plaisir d'être au cinéma. Et donc, son écriture elle-même, quand on la lit, c'est comme... Il y a un espèce de rythme qui se crée. Et ce rythme-là, il prépare peut-être au montage beaucoup plus que la trame de l'histoire, en fait. Mm-hmm. D'ailleurs, Chantal, elle a dit que... Enfin, elle disait qu'en fait, elle a beaucoup entendu certaines litanies de prières par son grand-père, etc. Et qu'en fait, il y a quelque chose qui est resté dans l'inconscient. Voilà. Mm-hmm. Donc, les scénarios, je les lisais, bien sûr, mais après, je n'étais pas dans une recherche de comment illustrer le scénario. C'est vraiment tout l'inverse de l'illustration au travail du montage. Et
Voilà, c'est ça que parfois... Mais quand, quand on parle comme ça avec des jeunes monteurs, on voit les yeux pétiller, quoi, parce que c'est comme si tout à coup, ils comprenaient que... Oui, oui, ils sont libres aussi de chercher, peut-être. Ouais, ouais. Mais peut-être aussi pour cette grande collaboration que vous avez eue, toi et Chantal, parce que je pense que ça doit avoir aussi avec la confiance et la... Ouais, ouais, ouais. Non, de partager, enfin, avec l'inconscient de l'autre. Absolument, c'est être à l'écoute de l'inconscient oui, de l'autre. Ouais, ouais. Et puis par rapport à No Home Movie, bon, son dernier film, qui est très frappant, et en connaissant son histoire personnelle, est-ce que ça a été différent que les autres films? Parce un petit peu même... différent, un tout petit peu différent. Je veux juste rebondir sur la confiance, parce que c'est oui. vrai que la confiance est essentielle. Oui. Mais la confiance, c'est pas être toujours d'accord. Et je sais que Chantal, au début de notre collaboration, elle a aimé travailler avec moi aussi parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Mais c'est plus regarder dans la même direction. Oui. Ça ne veut pas forcément dire... Alors après, elle aimait aussi beaucoup dire qu'on était toujours d'accord, qu'on tapait sur la cuisse au même moment pour dire que le plan devait être oui. coupé, etc. Mais en même temps, elle aimait aussi raconter que certaines fois, il y en a une qui disait que c'était trop long et l'autre trop court et que ça voulait dire juste qu'il y a un problème. Donc on est d'accord, mais on n'est pas vraiment d'accord oui. parce qu'on ne peut pas savoir tout. Voilà, c'est une humilité. Vous étiez d'accord sur le fond. Voilà. Peut-être c'est ça la confiance aussi. C'est ça, oui. La vision du cinéma comme... Peut-être, oui, peut-être. Et de... Mm-hmm. de... Oui, peut-être. J'ai jamais beaucoup parlé de taoïsme avec Chantal, parce qu'on n'était pas dans ces trucs-là, parce que voilà, parce qu'on était plus dans le faire que dans le dire, je crois. Que nos mots étaient très simples, que voilà. Peut-être j'avais peur de théoriser. Maintenant, j'ai compris qu'en parlant, on n'était pas obligé de théoriser. Non, mais non, non. À un moment donné, j'avais peut-être peur de ça, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est peut-être, je suis peut-être le seul lien entre Chantal et le taoïsme, je me suis dit. Et donc, pour revenir à nos movies, c'est intéressant aussi de voir qu'en montage, c'est un peu aussi comme dans une conversation, il faut se laisser se perdre, c'est-à-dire faire des détours pour revenir. Parce que c'est parfois par le détour qu'on arrive au centre. Et ça ne veut pas dire qu'on se perd jamais, mais ça veut dire qu'il y a des choses qui résonnent, quoi. Donc là, je ne me suis pas perdue et je reviens à No Movie. C'était pas tout à fait pareil, mais finalement, dans le fond, c'était pareil. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est chaque fois différent, dans le sens où on ne sait jamais très bien comment ça va se passer. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, le moment de visionnement des rushs, il est essentiel. Que j'ai besoin de le partager avec le réalisateur. Je m'aperçois que je n'ai pas répondu à cette question. Oui. Que c'est un moment épuisant, mais vraiment qui fabrique les fondements du film, les bases, les fondations, en fait. C'est un moment mais épuisant physiquement parce qu'on se prend plein d'images. Et forcément, on a ce réflexe d'essayer déjà de les comprendre, mais en fait, il faut... et de les organiser, alors qu'il ne faut pas trop. Donc, on est toujours un peu en... Bon, je prends des notes, j'organise beaucoup, etc. Et après, arrive la période, le moment où il faut commencer à monter. Alors, à chaque fois que je raconte ça, je me dis, oui, mais là, tu es en train de théoriser, tu es en train de... Bon, un petit peu, mais le dernier film que je suis en train de monter, en fait, parce que je dis toujours, il faut regarder tous les rushs avant de commencer à monter. Et le dernier film, j'étais amenée à faire autrement, justement. D'accord. Donc, j'ai été amenée à commencer à monter avant de voir la dernière partie des rushs. Parce que sinon, parce que c'était une situation particulière. Et j'aime dire ça, non pas parce que c'est intéressant en soi, mais c'est parce que c'est bien aussi de dire on fait comme ça, et puis hop, il y a une exception aussi. Oui. Mais, voilà, donc en fait, mais quasiment toujours quand même, dans tous les films que je monte, et particulièrement avec Chantal, il n'y a pas d'ours de 6 ou 8 heures dans lequel après on va piocher. Il y a un travail de mise en relation des images entre elles dès le début et on aime commencer par le début du film. Okay. Parce qu'un début, un premier plan, c'est le début de quelque chose, ça ouvre un chemin. Et ensuite, on met un deuxième, un troisième. Et c'est comme si, du coup, on était au début avec un plein de chemins possibles. Et en mettant le premier plan, on a déjà
comment dire, fermer les autres chemins. Après, on peut toujours y revenir, mais... Et après, c'est toujours une question d'intersection, de petits chemins qu'on prend pour faire un détour, puis ensuite, finalement, on s'aperçoit que, finalement, on n'a pas besoin du détour, donc on va... Puis après, on peut bifurquer. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très géographique. Et ça me fait penser que ce que je voulais dire aussi au moment où je parlais des scénarios, c'est que moi, j'ai cette faculté de me perdre. Et même ici, à l'intérieur de l'UNAM, je suis complètement perdue. Oui. Et ce n'est pas le seul. Oui, mais... Non, mais, je comprends. Mais je pense que je me perds dans des situations géographiques très, très simples. Une fois, je suis arrivée dans un lieu, j'étais à un jury, je suis sortie par l'autre porte, et après, je me suis perdue. Et je disais, mais où est le jury? On me disait, mais c'est privé. Je disais, mais j'y suis. On me disait, mais pourquoi vous êtes sortie? Mais en fait, j'avais été aux toilettes et je ne retrouvais pas. Oui, oui, oui. Donc, il y a quelque chose de se perdre. Bon, et voilà. Des accidents qui amènent des nouvelles choses aussi, ouais, peut-être. Ouais. Il y a quelque chose de géographique en même temps. C'est marrant que je parle de chemin, parce qu'il y a quelque chose d'organique et de géographique. Voilà. Et donc, on construit, et après, le film existe et dans une forme qui n'est pas très, très différente, en tout cas au niveau de la durée du film final. Mmh. C'est-à-dire, Et justement, on a fait différemment pour nos movies. Comme je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est qu'au début, on a regardé les images de la mère de Chantal avec Chantal, et on a... Et parce qu'en fait, ouais, je vais quand même raconter en deux mots la jeunesse du film. Chantal ne savait pas qu'elle allait faire un film. Et nous, on devait se voir pour fabriquer une installation. Et avec des images qu'elle avait tournées dans le désert. Et en fait, au moment où on s'est retrouvés, la mère de Chantal venait de mourir. Et du coup, Chantal m'a dit, j'ai filmé ma mère depuis 2 ans et je voudrais faire quelque chose avec ces images. Et elle n'a même pas dit un film, elle a dit quelque chose. Donc c'était ouvert, ça pouvait être une installation. Mmh. Et on a commencé à regarder les images et donc et à faire une espèce de sélection, garder en gros tous les moments qu'on aimait. Et Chantal disait, c'est là que Chantal disait, ça va être magnifique, ça va être un film de 6 heures sur ma mère. Parallèlement à ça, on travaillait, on avait deux stations de montage et on travaillait aussi à la création de l'installation. Et de fil en aiguille, il a paru presque de manière évidente, et en même temps, je ne sais pas comment c'est venu, que les deux choses allaient se mêler. Et que le contrepoint des images du désert allait rendre le film possible. Bah oui, le justement, film. Ça commence avec cet arbre et c'est, dans le vent. Et c'est à partir du moment où on a mis ce premier plan, oui, que le film a été possible et qu'on a pu retrouver notre méthode de travail, comme disait Chantal, en étant drastique, c'est-à-dire en n'étant pas... juste attachée à des images pour ce qu'elles montrent, mais pour ce qu'elles créent. Oui. Et voilà, et du coup, le film est né comme ça. C'était un moment assez heureux, malgré tout. Mmh. Et on a fait aussi une installation s'est appelée « De la mer au désert ». Oui. Voilà. Et c'est en fait la petite forme, on peut dire, de sa dernière installation qui est « Now ». Mais voilà, elle a été très peu montrée, je crois qu'une fois, de la mer au désert. Okay. Mais c'est, donc voilà, c'est le... C'est passionnant d'écouter ça, parce que pour moi, Chantal, elle a toujours figuré dans des cinéastes qui m'ont vraiment marqué aussi, pour le fait que chaque film est vraiment différent. Mm-hmm. Et chaque film, ça se voit qu'il y a la passion de, à travers le cinéma, quoi que ça soit, enfin, que ça soit documentaire ou essai ou musical, enfin, de trouver un sens, non, à nos vies. Et bon, ça me frappe avec chaque film que c'est vraiment une nouvelle invention. Mm. Je ne dis pas inventer le cinéma, parce que ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle invente rien, presque, mais elle s'invente à chaque fois. Exactement. Et cette idée maintenant qu'il faut réinventer le cinéma à chaque fois, je trouve que c'est une grande pression sur nous qui faisons des films, à faire rien qui ressemble à rien d'autre, mais que quand même avoir une ligne éditoriale presque propre. J'adore chez elle, c'est que c'est comme si, comme tu dis, inconsciente et tout ça. Ouais, vraiment frappant, et c'est là la force de ces films. Mm. Et nos home movies, on voit que ça ressemble un peu à quelques documentaires, mais rien du tout aussi.
Et ça j'aime beaucoup. Mmh. Et si tu veux bien parler un peu de comment vous avez commencé à faire les installations de Chantal et comment le processus de travail ou la nécessité, pourquoi passer à cette forme aussi très ouverte. En fait, c'est encore une fois par hasard, en fait, parce que Chantal voulait faire quelque chose sur l'Est. Elle ne savait pas exactement quoi. Et puis, un concours de circonstances qui fait qu'on lui a demandé, c'est Cathy Albrecht qui lui a demandé de faire une installation. Elle ne savait pas trop ce que c'était, elle ne connaissait pas tellement le monde de l'art. Elle a dit oui, pourquoi pas. Et puis en fait, elle voulait faire un film de toute façon. Et en fait, le financement pour le film est arrivé avant. Donc, donc elle a été tourner le film. Et on a monté le film. En pellicule, d'ailleurs. Hein. C'est un film qui a été monté en... Je le dis parce que c'était assez beau de monter ce film-là en pellicule. Bien que finalement, je fais encore une aparté, mais je pense qu'on peut retrouver le rythme de travail du film en numérique. J'ai oublié de répondre à cette question. Oui. En recréant un certain rituel, parce que les rituels en montage sont essentiels, je pense. Mm-hmm. De pas être dans une frénésie de l'action, mais au contraire, de respecter des temps, et parfois des temps rituels. Et une fois que... Voilà, on a monté ce film en parlant très peu. Alors là, pour le coup, c'est peut-être le film où j'ai senti le plus fortement un mystère dans la salle de montage, comme un danger à prononcer certains mots et une espèce de chose qu'on savait sans le savoir sur qu'est-ce que ces images évoquaient en nous. Mais nous, on parlait de choses très simples, la neige, le bruit des pas, le crissement des pneus, les travelling, leur rythme au sens de leur rapidité ou leur lenteur, leur sens, enfin sens au sens gauche, enfin toutes ces choses-là, les couleurs, les contrastes, les visages, les sourires, enfin des choses très concrètes et organiques, mais on ne parlait pas de qu'est-ce que ça veut dire ces images. C'est d'ailleurs très très en lien avec la poésie chinoise de la Chine antique, où les poètes n'exprimaient jamais des sentiments par des mots qui expriment des sentiments, genre tristesse, nostalgie, etc., mais plus par des matières ou des éléments de la nature qui suggèrent, ou des positions de corps, etc., ou des couleurs qui suggèrent. Donc c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il ne faut pas dévoiler, enfin il ne faut pas, nous on n'a pas fait ça en tout cas, de dévoiler les dessous des images, quoi. Donc garder et respecter leur mystère. Et voilà, on a fini de monter le film, on l'aimait, on nous a dit que c'était une élégie, ce qui nous a fait très plaisir, même si on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Chantal aimait beaucoup ce genre de petites choses. C'est une élégie, elle disait très fièrement, elle disait, on a fait une élégie. Il y avait quelque chose de tellement naïf, tellement juste là, enfantin presque, au sens beau du terme. C'est complètement le contraire de l'explication d'un dispositif, c'est vraiment... Oui, oui. Et donc après, il est arrivé le moment où Chantal m'a dit, ben ça y est, maintenant on peut faire l'installation, ça y est, on me la demande. Et donc on s'est dit qu'on voulait... très vite, c'est pas apparu qu'on voulait se concentrer sur la partie d'Est qui était à partir du moment où on est dans la neige. Donc on a enlevé tout le début sur l'Europe de l'Est. Et on a travaillé des modules comme ça d'images les unes à côté des autres au début sans très bien savoir combien de temps chaque module devait durer. Et pour la petite histoire, on était en montage vidéo humatique, donc en copiant des images les unes sur des cassettes. C'était assez compliqué et c'était très très lourd comme organisation. Mais là aussi, c'est encore moins pour moi, je me suis délectée à trouver des systèmes pour relancer les trois images sur des moniteurs, ensuite les refilmer pour pouvoir... Bon, et assez vite, c'est venu que c'était beau qu'elle soit par trois
Et puis petit à petit aussi, on en a créé plusieurs, des triptyques comme ça. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait qu'elles aient la même durée, qu'ils aient la même durée pour qu'ils puissent résonner pareil. Donc ça devait être synchronisé. Et du coup, voilà, on en a créé 10, on en a choisi 8. Et ça a fait les 24 images de, enfin, écrans de Dest. Mais là, on a senti, et c'est là que c'est absolument passionnant, je vais essayer d'aller vite parce que je sens qu'il faut... Mais c'est là que c'était très beau. On n'a pas pu le voir vraiment physiquement parce qu'on n'avait pas une pièce avec 24 moniteurs, mais on sentait qu'on tenait quelque chose. Mais il y a quelque chose qui manquait. Qui manquait et on ne savait pas trop pourquoi. Et en fait, je pense que ce qui manquait, c'était quelque chose de l'ordre d'une tension, parce que quand on monte un film, dans une certaine durée. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, c'est pas... Et donc, on travaille sur une tension qui évolue et où les images réagissent les unes par rapport aux autres dans le temps. Et que là, en fait, on avait travaillé les images qui résonnaient les unes, plus seulement les unes par rapport aux autres dans le temps, les unes après ou avant les autres, mais les unes à côté des autres. Mais tout ça allait tourner en boucle et les triptyques allaient durer 4 minutes, parce que finalement, on avait déterminé cette durée de 4 minutes qui nous paraissait la plus juste. Et du coup, il y avait quelque chose qui manquait, c'est-à-dire que ça tournait et puis quoi ? Voilà, c'était beau, au sens un peu creux du mot beau, oui. Alors que le mot beau, normalement, je dirais peut-être, c'était... Ben, voilà, c'était quelque chose, mais c'était pas... Et on a senti qu'il manquait peut-être ce qu'on travaille quand on travaille un film dans le temps, c'est-à-dire une arrivée. Et donc c'est comme ça qu'est née la 25e image. Mmh. Et c'est là que Chantal a écrit le texte de la 25e image, qui est un des plus beaux textes qu'elle ait écrit, et qui tout à coup a mis des mots sur en fait tout notre travail, y compris le film. Ces mots-là, on a l'impression qu'ils sont l'origine du film, et ils le sont. Et en même temps, ils n'ont jamais été dits avant. Oui. Voilà, donc... Et c'est grâce à ce travail où le temps et l'espace se sont... Où on a travaillé à la fois dans le temps et dans l'espace que il y a quelque chose... voilà, qu'une autre signification du film est apparue et c'est pour ça que Chantal a dit qu'elle a compris le film vraiment après l'avoir fini. C'est magnifique ce processus de travail qui nous apprend quelque chose à la vie aussi et à notre propre création. Et merci beaucoup Claire. Merci à toi, merci à vous. C'est vraiment enrichissant d'écouter tout ça. Et puis, on invite tout le monde à aller voir l'installation qu'il va avoir ici au MOEC. Ah oui, c'est vrai, on n'en a même pas parlé. Il va y avoir un... Oui, c'est comment ça s'appelle, cette installation ? Alors, c'est une installation sur la... En fait, c'est la 4e installation de Chantal. Elle a d'abord fait Dest, ensuite deux autres, et puis celle-ci. On l'a faite en 2002 pour la Documenta de Cassel. Et ici, on en montre, on en présente une forme fragmentaire, parce qu'on n'a pas pu avoir l'espace. Et bon, c'est quand même compliqué l'installation dans son entièreté. Mais c'est une installation. Moi, je suis très particulièrement heureuse de la montrer ici au Mexique. C'est une installation qui est faite à partir du film From the Other Side. From the Other Side, de l'autre côté. De l'autre côté. Voilà, où normalement l'installation est construite en 3 salles. La première où il y a les 2 derniers plans du film sur un moniteur et où Chantal donc raconte l'histoire d'une migrante mexicaine. Mm-hmm. Et dans la deuxième salle, puisque je viens de parler de Dest, c'est assez facile, au lieu d'avoir 8 triptyques, il y en a 6 faits à partir du film. De 10 minutes au lieu de 4, enfin, si je compare avec Dest. Et dans la troisième salle, il y a la retransmission dans le désert entre le Mexique et les États-Unis sur un écran géant des derniers plans du film, refilmés et envoyés en direct à la Documenta. Chantal voulait que ça soit direct. Oh, et Chantal, pour la première fois,
a eu l'image de cet écran diffusant cette histoire-là à cet endroit-là et refilmé avant même d'avoir fait le film. Donc l'installation presque est venue avant le film. Ah bon. Et donc ici, à l'UNAM, on montre, au MOAC, on montre la première salle avec le moniteur et on n'a pas pu montrer les 18 moniteurs parce que c'est trop compliqué, il fallait un espace un peu spécial et la projection dans le désert. Bon, c'est super que tu sois là pour l'installer. Et on invite tout le monde à venir la découvrir. Merci beaucoup, Claire. Merci à toi. Merci à vous. Oui.